Kevin. Ouais, avec Fabio Quagliarella, il va y avoir deux beaux duels entre ces deux-là. Ils se connaissent par cœur parce qu'ils ont évolué trois saisons ensemble. Allez, la Sampdoria face à la Juve au Stadio Luigi Ferraris. Bernardeschi avec Higuain qui est servi. Higuain, pas de position de hors-jeu. Ouais, la tentative, elle est croisée, elle était contrée peut-être cette balle même. Elle a été touchée par Sylvestre. Ouais. Ouais, Higuain, première alerte hein, en faveur de la Juve. Bon ballon d'Higuain pour Mario Mandzukic. Mandzukic qui va crocheter pour frapper certainement. Allez, frappe à ras de terre. C'est à lui de mettre le danger. Elle est là avec la reprise peut-être de Cuadrado. Et c'est au-dessus. Ça se voit de plus en plus hein, ce genre de. Berezinski, Quagliarella. Et ben voilà. La première tentative du côté de la Samp. Après le président Ferrero, on l'a vu tout à l'heure avec son foulard fétiche, saluer la foule avant le match. Les 10 premières minutes hein, où ils ont perturbé quand même cette équipe hors jeu. Oui, non, non, non. Mais bon, c'est à revoir. Il n'a pas entendu, il n'a pas entendu. Il a raison hein, de jouer le coup à fond. Cuadrado qui va centrer pied droit, la reprise de Mandzukic, c'était contré par Silvestre. Et plein axe, Sami Khedira, Khedira à Gonzalo Higuain, Higuain pour Cuadrado, Cuadrado, Cuadrado. Oh là, mais qu'est-ce qu'il nous a fait alors qu'il avait... Il avait Mandzukic. Ah mais il a vraiment hésité. On dirait c'est rentrant, Chesney. À Samoa, le centre en première intention à Samoa. Et il y avait Gonzalo Higuain qui estime avoir été bousculé. Pjanic le dit aussi à l'arbitre. On va voir cette situation. Elle est légèrement déséquilibrée, mais il ne faut pas siffler pénalty là-dessus. À droite, il y a Cuadrado. Et c'est Lichtsteiner qui va être servi. Ou Bernardeschi qui est monté même avec ce centre. Et Silvestre essaye de maîtriser les contres, les joueurs de la Samp. Et voilà, c'est une nouvelle fois dans la finition. Hein. Piqué vers le centre. On trouve Mandzukic. Et Sami Khedira. Frappe instantanée de Khedira, c'est hors cadre. Séquence intéressante de la Juve. Ce changement d'aile. Cuadrado, Cuadrado, Cuadrado le centre. C'est un ballon qui était contré par Strinic. Et ce sera la mi-temps. Sur ce score de 0-0 et tous les joueurs de la Juve. Allez, la seconde mi-temps de ce Sampdoria Juve. Pas de changement. Higuain du bout du pied de Torreira, mais interception Sami Khedira. Bernardeschi qui va frapper. La force cette frappe. Elle est tout seul pour l'instant. Khedira, mais il est passé. Sami Khedira pour Gonzalo Higuain. Higuain, la frappe, elle est contrée par Ferrari qui a bien suivi. Ensuite, hein. Higuain. Il y a ce corner de Miralem Pjanic. Miralem Pjanic, la tête de Rugani, c'est au-dessus. Et ça revient sur Quagliarella. Quagliarella dans cette surface de la Juve qui va pivoter pour centrer l'envolée de Bernardeschi. La tête et le but. L'ouverture du score pour la Sampdoria avec Duván Zapata qui était là. Mais surtout, voilà, du mauvais derrière du côté de la Juve pour ressortir ce ballon. Beaucoup de mal et la liesse avec les tifosi de la Sampdoria. Ça fait 1-0, monsieur Ferraro. Ouais, ça part d'un cafouillage, hein. Il y a eu l'intelligence de Quagliarella. La Samoa ne peut pas dégager. Il remet ce petit ballon et c'est Bernardeschi hein, qui n'arrive pas à dégager correctement ce ballon. Et puis encore une fois, on l'a dit depuis le début de cette rencontre. Yamanzu, ils sont tous là, les joueurs de la Juve. Avec Sampdoria qui est parti à l'assaut du but de Chesney. Il est tout seul devant Rugani. Oh, c'est bien joué. Bravo, pour Zapata. Zapata, la sortie décisive de Chesney. C'était la balle du chaos, la balle du 2-0. Oh, c'était l'action parfaite de la Samp. Quel contre-éclair. Ouais, et là, il y a eu du dégât. Il y a eu du grabuge dans la surface de réparation. Chesney touché derrière la jambe. Sur cette sortie, touché derrière la cuisse. Ah, face à bon Ferrari. Bernardeschi. Bernardeschi, il est au sol. Oh, elle n'est pas nette cette action aussi. Il s'écroule tout seul. Oh, grosse faute là par contre de Rugani. Rugani, carton jaune. Et voilà, Bernardeschi qui va donc céder sa place.
la talonnade avec Lichtsteiner qui est passé. Lichtsteiner qui a levé la tête. Lichtsteiner, le centre, et Pipita. Ah, et Mandzukic qui a glissé sur cette tentative. C'est pas fini avec Dybala qui est là. Ça revient derrière avec Miralem Pjanic. C'était contré par Kualo Asamoah avec ce centre d'Asamoah. Ils se sont gênés, pas parlé. Cuadrado, le centre de Cuadrado avec Mandzukic, avec Sami Khedira à la sortie d'Emiliano Vigano. Ils se sont percutés peut-être avec Sami Khedira. En tout cas, Vigano est resté au sol et l'arbitre arrête le jeu. Il était courageux, hein, Vigano. Ça, c'est un 2 contre 1. Il y a Cuadrado qui est à droite. Higuain qui va tout seul. Il est rattrapé. Gonzalo Higuain pour Cuadrado. Cuadrado qui. Attention, Ramirez. Il est hésité. C'est plein axe avec Torreira. La frappe. Oh, il est bien. Oh, il est magnifique ce but du petit Torreira. C'est un phénomène celui-ci, on vous l'a dit. Bon nombre de grands clubs sont déjà sur lui. Mais là, il vient briquer. Il vient faire ce qu'il faut. Le 2 à 0 à la 72e minute. Et monsieur Ferrero va peut-être faire le tour du stade si il accroche à son tableau de chasse cette Juve. Mais en tout cas, il y a Mirek Pjanic qui peut le faire aussi. Et c'est parti pour Dybala. Et ce sera hors cadre. Deux fois le ballon au fond de ses filets. Il a fait un sauvetage devant Duván Zapata. Quagliarella et but. Il y a faute de Zapata au début de cette action. Oh, ouais, il y a faute. Mais c'est Ferrari qui vient marquer. 3 à 0, la Sampdoria mène face à la Juve. Coup de tonnerre. Ferrari, lui, n'avait jamais connu de victoire face à cette Juve. Deux défaites. Et bien, pour son troisième rendez-vous, il marque. Ça fait 3-0. Incroyable. Chapeau bras. Higuain, ballon dégagé. Benevento. Milan a chuté ici 2-0, l'Atalanta 3-1. Et Douglas Costa, Emiliano Viviano qui vient faire sa parade. Douglas Costa, ils sont percutés avec un plaquage Torreira. La frappe de Verré. Kualo Asamoah, le centre directement sur Strinic. Et il se reprend bien même. Penalty. Oh non. Ça. Penalty. À la 89e minute. Alors, vous vous souvenez, face à la Lazio, c'était dans l'arrêt de jeu, comme ça, qu'il y avait pénalty. Pénalty de la saison, c'est parti pour Pipita face à Viviano. Et ça fait 3 buts à 1. Voilà, il sauve au moins l'honneur. Gonzalo Higuain. Ouais, sur un pénalty généreux, hein, accordé par M. Guida. Il n'y avait absolument rien du tout. Linetti. Caprari, oh, c'est bien joué. Caprari, et sauvetage de Chesney, ça revient. Oui, ce sera à côté la frappe de Linetti. Ouais, c'est une fusée qui est partie vers le poteau. Hein. Quel travail de Caprari. Douglas Costa pour Paulo Dybala. Dybala qui est parti, Dybala encore. Dybala, la frappe de Dybala, oh, but. Oh, il est magnifique. Paulo Dybala, son 12e but de la saison. Et là, ça commence à s'agacer de toutes parts. Il va rester, allez, 3 minutes de temps additionnel. Oui, Massimiliano Allegri, c'est peut-être possible. Et c'est fini, terminé. La Sampdoria, comme lors de leur dernière victoire le 18 mai 2013, s'impose 3 buts à 2 face... 3 buts à 2, pardon, face...